puisque je parle de l'enfant, puisque mm-hmm. je parle sur la, de la femme, mm-hmm. et en parlant de la femme, on atteint l'enfant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Innocence en danger, que j'ai toujours soutenue, existe depuis à peu près 15 ans, il me semble. C'est Omaïra Sellier qui est la présidente. Et Innocence en danger est là pour protéger les enfants abusés dans le monde. Et donc, il se trouve qu'elle s'installe en Angleterre. Et c'était une pure coïncidence que moi, je fasse cette exposition en Angleterre et qu'elle, en même temps, s'installe en Angleterre. Donc, je lui ai dit, donc, afin de l'aider, j'ai décidé de distribuer à tous les designers, à un certain nombre de designers, un tarbouche. Mm-hmm. Et je leur ai demandé de créer une œuvre, donc à leur goût et comme ils veulent. Donc, je m'attendais à avoir 8 ou 10 tarbouches, j'en ai eu 40, designées par les plus grands designers. Ah, et une des premières qui a dit oui, c'est Zaha Hadid. Mm-hmm. Donc, pour vous citer, surtout les Français, il y a eu Lanvin, Inès de la Fressange pour Roger Vivier, il y a eu Sonia Riquel, Chantal Thomas, tant d'autres, en fait, j'ai oublié. Oui. Puis il y a eu Jimmy Choo, il y a eu Etro, Pucci, il y a eu Zanotti, Swarovski, Elisa, ainsi de suite. Donc, on a eu 40 tarbouches. Ces tarbouches vont être vendues par Sotheby's. Chez Saatchi, le lendemain de l'expo, le 27 février, au profit des enfants abusés, au profit d'Innocence en danger. Voilà. Et une des toiles aussi va être vendue par Sotheby's et elle ira aussi au profit des enfants abusés dans le monde.